la vie de Christ dans un homme. Produira les œuvres de Christ, le Saint-Esprit dans un homme. Produira un chrétien, jamais pas. Quand je veux parler au lys, il prend ma bouche. Autre, car chaque semence. Devant, il est le Seigneur Jésus-Christ. La révélation. Derrière le Seigneur Jésus-Christ, il y a les prophètes. Le roi, tout l'appartenu. Derrière le prophète. Il y a pas ce firmament. Il reste de mon corps. Et derrière firmament, il y a cette église. La révélation de qui est Jésus-Christ. J'ai changé de nom. Les non-croyants, croyants. Je veux apprendre à connaître Jésus-Christ. Oui, il y a pas la lance. C'est qui peut attirer. Ce merveilleux monde dans le sang précieux des rois, oh, il y a force. Exhorter tes enfants à lâcher le monde
et à aimer Christ, à entrer en Christ. Je viens, Seigneur, avec ton troupeau que tu m'as confié à paître et à conduire, tes fils et tes filles, ils sont à toi, Seigneur. Et tous ensemble, nous venons dans la maison du potier pour que toi, tu puisses nous briser, que tu puisses nous réformer, que nous soyons taillés à la mesure de la stature de l'homme parfait. Que nous soyons façonnés selon le modèle de Dieu. Que nous soyons des véritables images de Christ sur cette terre. Le monde cherche à voir les enfants de Dieu. Où sont-ils? La Bible dit que la création tout entière gémit et soupire, cherchant de voir les fils et les filles de Dieu manifestés. Nous sommes au temps de la fin où tu devais manifester tes enfants sur la terre. C'est en ces jours, ô Dieu. Et tu nous as adressé cet appel de miséricorde pour que nous puissions croire le message, entrer en Christ, être convertis, avoir des natures changées, afin d'être manifestés sur cette terre comme la famille de Dieu sur la terre. La seule chose que nous avons que les autres n'ont pas, c'est Jésus. Nous voulons que tu sois réel dans la vie de chacun de nous. Ta présence dans nos âmes fera que nous ayons une nature changée, que nous ayons une autre nature, d'autres goûts, d'autres ambitions. Ô Seigneur Jésus, sois miséricordieux envers nous. Nous sommes coupables. Nous tous nous sommes coupables. Nous ne prions pas comme nous devrions prier. Nous ne te consacrons pas suffisamment de temps, ni pour la prière, ni pour la méditation, même pas pour étudier ta parole. Mais nous consacrons beaucoup de choses à des divertissements, à la télévision, des choses que nous voyons dans des téléphones, au bavardage sur autrui. Ce sont des choses qui témoignent contre nous. Cela ne témoigne pas pour les chrétiens, c'est contre les chrétiens. Que cette nature de cochon soit mise à mort. Nous voulons traverser le Jourdain de la mort, mourir dans cette vieille nature de cochon pour naître de nouveau dans la nature de Dieu. Seigneur, accorde-nous cela, Père. Nous voulons maintenant nous écarter du chemin pour que toi seul nous utilises et parle à ton peuple. Que la puissance de transformation accompagne notre prédication, Seigneur. Que le glorieux Saint-Esprit puisse descendre et remplir les âmes affamées, les âmes assoiffées de la justice. Qu'en partant d'ici, nous puissions nous dire à nous-mêmes, comme les deux disciples d'Emmaüs, notre cœur ne brûle-t-il pas en nous quand il était en train de nous parler? Viens toi-même parler à ton peuple. Viens toi-même te révéler à ton peuple. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Prenons notre Bible, nous allons lire deux passages. Tout ce que ma Bible est seulement mandi combien. Nous sommes toujours avec notre étude. Tout ce que pas comme ma diffuse. N'oubliez pas pour la prière pendant la semaine, c'est le roi rejeté. Christ est rejeté. La parole est rejetée. Christ est rejeté. C'est ça que nous allons suivre. Quoi. Alors, nous allons lire dans Éphésiens chapitre 1er. C'est le livre que nous sommes en train de lire, d'étudier pendant ces jours. Éphésiens chapitre 1er. Les six premiers versets. Ensuite, nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 12. Nous lirons du 4e au 18e verset. Oui, nous allons sauter pour lire le 27e, du 27e au 31e verset.
Éphésiens, chapitre 1, nous lisons. Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Paulo, mutumishi wa Mungu, kwa watakatifu ni kwa Mwefeso, na waminifu. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Neema imipewe kwa baba wetu na kwa bwana wetu Yesu Kristo. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Abarikiwe Mungu baba wetu na bwana wetu Kristo, mwenye anatubariki na mabaraka yote mahali ya juu. En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Ndani mwake Mungu alituchagua kabla misingi ya dunia kuwa. Pour que nous soyons saints. Dieu a tué watakatifu. Et irréprochables devant lui. Na bila kegemeo mbele yake. Il nous a prédestinés. Yeye alitangia kututayarisha. Dans son amour. Umapendo yake. À être ses enfants d'adoption. Jutu watoto wake wone kutiliwa kwa fahari. Par Jésus-Christ. Ndani ya Yesu Kristo. Selon le don, le bon plaisir de sa volonté. Kulingana na mapenzi yake kamilifu. Pour célébrer la gloire de sa grâce dont Dieu, il nous a favorisé dans le bien-aimé. Dieu a kushangili yako utukufu yake jana tutakulia mwapendo wake. Il y a différentes versions. Il a dit six à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Amen. Amen. Maintenant, 1 Corinthiens 12. Corinto wa kwanza 12. 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit. Une parole de sagesse. Un autre, une parole de connaissance. Selon le même esprit. Un autre, la foi. Par le même esprit. Un autre, le don de guérison. Par le même esprit. Un autre, le don d'opérer des miracles. Un autre, la prophétie. Un autre, le discernement des esprits. Un autre, la diversité des langues. Un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses et distribuant à chacun en particulier comme il veut. Veuillez vous asseoir, nous allons continuer. Car comme le corps est un, vile mwili iko moja, et a plusieurs membres, na ina viungo vya kuachana, et comme tous les membres du corps, sa vile viungo vya mwili, malgré leur nombre, haizuru bwingi bila biko, ne forment qu'un seul corps, lakini biote binatunga mwili moja, ainsi en est-il de Christ. Njo hivi biko na Christo. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, si si wote tulibatizwa mu roho moja, pour former un seul corps. Tu ya kutunga mwili moja. Soit juif. Uwe muyahudi. Soit grec. Uwe hata muyuna. Soit esclave. Wala mtumwa. Soit libre. Wala uwe huru. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Sisi wote tulikuwa benye kuchapwa kwa roho moja. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre. Kwa hivi mwili haikaleke na kiungo kimoja tu. Mais il est formé de plusieurs lakini membres. Lakini ni yenye kutungwa na viungo kambali mbali. Si le pied disait, kama mkuli nasem, parce que je ne suis pas une main, kwa sababu vile mishina mukono, je ne suis pas du corps, pale shina wakumui, ne serait-il pas du corps pour cela? Aita saidia mwili kwa ile, aita kwa juu ya mwili juu ya ile. Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, kama lishikwe nasema mishina rincho, je ne suis pas du corps, mishina kumwili, ne serait-elle pas du corps ile, pour cela? Itafanya sema asita kwa kumwili juu ya ile. Si tout le corps était œil, kama mwili yote likuwa dincho, où serait lui? Sasa lishikwe pasha kuwa wapi? S'il était tout lui,
Où serait l'odorat? Maintenant, Dieu Mungu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Amen. Amen. Nous sortons. 27. Vous êtes le corps de Christ. Moye mukomwili wa Kristo. Et vous êtes ses membres. Na muko viungo vyake. Chacun pour sa part. Kila moja juu ya kipawa chake wala itaji yake. Et Dieu a établi dans l'église premièrement des apôtres. Mungu naye kanisani anatiaka kwanza wa mitume. Deuxièmement des prophètes. Wa pili ni wanabi. Troisièmement des docteurs. Wa tatu ni walimu. Ensuite ceux qui ont le don des miracles. Na kisha benekwa na zawadi ya miujiza. Puis ceux qui ont le don de guérir. Na benekwa na zawadi ya kuponyaji. De secourir. Ya kusaidia. De gouverner. Ya kutawala. De parler diverses langues. Ya kusema maruga nye kuachana. Tous sont-ils apôtres? Bote abni wa mitume. Tous sont-ils prophètes? Bote ni wanabi. Tous sont-ils docteurs? Bote ni walimu. Tous ont-ils le don des miracles? Bote beko na zawadi moja tu ya miujiza. Tous ont-ils le don des guérisons? Bote beko tu na zawadi ya uponyaji. Tous parlent-ils en langue? Bote banasemaka tu kwa maruga. Tous interprètent-ils? Bote banatafsiriaka. Aspirer aux dons les meilleurs. Asema tumikia wala endea ku kazi yenye kwa mzuri. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Pale naweza kumuonyesha njia yenye kwa ya mzuri. Que le Seigneur Jésus bénisse sa parole. Bwana Yesu abariki neno lake. Nous sommes dans notre thème où nous parlons de l'héritage des saints. Tuko mwajili yetu tunasema juu ya urithi wa watakatifu. Le pays de la promesse. Inchi ya malako. Aujourd'hui nous prenons le sujet. Leo tunachukua ajili. L'intitulons comme ceci. Tunaipanga hivi. La place prédestinée par Dieu. Fashi yenye kutayarishwa na Mungu. Pour chaque membre du corps de Christ. Juu ya kila mwanamemba yote mwenye kuwa mwili wa Kristo. La place prédestinée par Dieu. Fashi yenye kutayarishwa na Mungu. Pour chaque membre du corps de Christ. Juu ya kila mwanamemba yote mwenye kuwa mwili ya Kristo. Comment entrons-nous dans le corps de Christ? Ni namna gani tunaweza kuingia mwili ya Kristo? C'est par le seul baptême du Saint-Esprit. Ni kupitia tu ubatizo moja ya Roho Mtakatifu. Et quand vous naissez en Christ. Na kama unazaliwa ndani ya Kristo. Dès que vous entrez en Christ. Na kama unaingia tu mu Kristo. C'est cela le pays de la promesse. Ile ndio inchi ya ahadi. Dieu avait dit la promesse est pour vous. Mungu alisema ahadi ni yeye. Pour vos enfants. Juu ya watoto yenu. Pour tous ceux qui sont loin. Juu ya wote wenye kuwa mbali. Si grand nombre bote, et le Père les appellera. Qui croit qu'il a été appelé? Ni nani anamini asema aliitwa? Nous avons été appelés. Hakika tuliitwa. Et la promesse est pour nous. Na ahadi ni yako. La promesse c'est le Saint-Esprit. Ahadi nayo ni Roho Mtakatifu. C'est ça le pays de la promesse. Ile ndio inchi ya malako. C'est ça l'héritage des saints. Ndio urithi yenye ya watakatifu. Amen. Amen. Et une fois que vous êtes né, na kama tu unazalikwa en Christ, unazalikwa ndani ya Kristo, vous devenez membre du corps de Christ. Unakuwa sasa mwanamemba wa mwili wa Kristo. Et chaque membre du corps de Christ, na kila mwanamemba yote ya mwili ya Kristo, a une place prédestinée par Dieu. Eko na fashi yenyesha kumutayarishiwa, yenye kutayarishwa na Mungu. Dieu te connaissait bien avant la fondation. Mungu alitangulia kukuyua wewe kabla misingi ya dunia kuwa. Dieu savait que tu naîtrais. Na Mungu ndiye alikuwa shujua si utazalikwa. Que tu naîtrais en Christ. Utazalikwa ndani ya Kristo. Et il t'a prédestiné. Alitangira kukutayarisha. A joué un rôle dans son corps. Tu ya utende ko tendo fulani ndani ya mwili wake. Comme tu es membre. Savile ko mwana memba. Du corps de Christ. Mu mwili ya Kristo. Peut-être tu es un œil. Sa zingine wa korincho. C'est toi qui vois. Ni wewe ndio uko naona. Tu as des visions. Uko naona maono. Peut-être tu as une bouche. Sa zingine ko kinywa. Tu es un prédicateur. Wewe uko mhubiri. C'est toi qui prêches. Wewe ndio uko naubiri. Peut-être tu as une oreille. Sa zingine ko lishikio. C'est toi qui entends. Ni wewe uko nashikia. Une voix aussi. Sauti ya Mungu. Peut-être tu es la main. Sa zingine wako mkono. Qui doit travailler. Unapasha kutumika. Peut-être un homme d'affaires. Unaweza kuwa hata mfanya biashara. Chacun. Kila mtu. A un rôle. Eko na tendo. Prédestiné par Dieu. Yenye kutangulia kutayarishwa na Mungu. Un rôle à jouer. Tendo ya yeye kutenda. Dans le corps de Christ. Mwili wa Kristo. Et chacun est utile. Na kila mtu yote kuna mafaa. Tu vas dire comme le petit doigt ici, c'est petit, je n'ai pas besoin de ça. Unaweza kusema, sasa hivi kilele kaloko kako kafupi, sina nako lazima. Que ça se blesse. Kapate tu kilonda. Est-ce que tu vas dormir? Utalala? Hein? Utalala?
ou bien l'orteil là, le petit, le tout petit. Kale kakilo le kakalo kakumukulu. Peut-être tu as l'abcès là-bas. Ça signifie que quoi t'as na kivimbo. Tu sens même le battement du cœur là. Où na chiki a vu le reste de la pita? Où t'as là? Parce que c'est des membres du corps. Kwa sababu ni kiungo kene kwa kumwili. C'est comme ça avec Christ. Dieu vile na Christo. Chaque membre a une place prédestinée. Kila mwanamembe kuna fashi yake nyenye kutanguliwa kumtayarishia. Amen. Amen. Suivez un peu les prophètes parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Fateni nabi, Dieu atuna na masaa mingi. Dans le message un jour V, jour victoire. Mujumbe siku V na siku ya ushindi. Un jour V, jour de victoire. Siku V, siku ya ushindi. C'est un message qu'il avait prêché. Ni ujumbe alubiri le 21 avril 1963. Tarema kumi mbili na moja mwezi wa ine mwaka kipindi kama kumi saba na ndugu mama anasema hivi. Voulez-vous entendre ce que frère Manamdi? Munapenda kusikia ndugu mama anasema? Sikilize. Il dit chacun de nous. Anasema kila mmoja wetu. Qui est dans chacun de nous? Ni nani mwenyekwa na yeye mundani ya kila mmoja? Quand on dit chacun de nous c'est qui? Wakati wanasema kila mmoja ni kusema ni nani? Chacun de nous c'est qui? Kaba anasema kila mmoja ni kusema nini? Qui se reconnaît dans chacun? Ni nani ndio anasema kwa mundani ya kila mmoja ule? Toi tu n'es pas dans chacun de nous? Wewe mbale bantu anasema wao. Michel. Michel wao na. Tame. Mulosha mkono yule. Chacun de nous. Kila mmoja. Chacun de nous est né pour quelque chose. Kila mmoja wetu ni mwenye kuzalikwa juu ya kitu fulani. Et je peux entendre les amens? Naweza kusikiliza kwa maamina. Nous n'avons pas été placés ici pour rien. Chie, atukutuliwe hapa kwa bule hapa. Ce n'est pas un hasard. Haina kwa bahati. Que tu sois assis là où tu es assis. Ya kusema unekala hapa penye shopikali. Ce n'est pas un hasard. Haina kwa kujibahatisha. Ce n'est pas pour rien. Haina kwa bule. Que tu sois là où tu es. Jua wewe kuya pale huko. Eric. Eric. Ce n'est pas un hasard. Haina kwa bahati. Fils. Fils. Ce n'est pas un hasard. You are saying maina kwa sababu. Jackson huko. Amen. Amen. Dieu connaissait ces Mungu alikuwa savait que tu serais ici. Mungu aliwaka sema utakuya pale. Il savait que tu allais suivre ce message. Aliwaka sema utafuataka hii ujumbe. Ta famille est aux États-Unis, tu es venu. Dieu savait que tu allais être précisément à cet endroit aujourd'hui pour entendre ce que je dis. Jamaa yako anabakia kule kwa kazi. Lakini Mungu aliwaka sema leo utakuya hapa kusikia hivi kunasikia. Tu crois que ce n'est pas un hasard? Unaamini na wasema aina vile. Yesha mkono yule. Ce n'est pas un hasard. Haina kwa kujibahatisha. Amen. 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 Donc, bien-aimés frères et sœurs. Ivi wapendwa ndugu na wada. Chacun de nous est né pour quelque chose. Kila mmoja wetu ni mwenye kuzalikwa juu ya shamba fulani. Nous n'avons pas été placés ici là où tu es. Hatukutiliwe hapa mahali penye huko. Pour rien. Kwa bule hivi hapa. Hapana. Agrandissez un peu ça, c'est trop petit. Est-ce qu'on voit ça? Changer de corps. Ça. Cette montagne. Anasema hii mulima. Si tu regardes, tu vois une montagne. Kama unaangalia unaona mulima. Cette montagne. Anasema hii mulima. Ne s'est tout simplement pas trouvée là pour rien. Haikukutanikake hapa tu kwa bule. Même une montagne. Ata mulima hii mulima. Sa position là. Kama unekuta mule msimamo yake. C'est pas pour rien. Haikushimame pale juu ya bule hapana. Même une rivière qui passe. Ata kamutoni kenyeke kunapita. Ce n'est pas pour rien. Akafike pale bule hapana. Même ce grand arbre là. Ata muchi ya munene. C'est baoba qui est là. Ile baoba ni kwa pale. Ce n'est pas pour rien. Aishimamake kwa bule. Cette montagne. Hii mulima. Ne s'est tout simplement pas trouvé pour rien, là pour rien. Aikushimamake pale na yona juu ya bule hapana. Cet arbre. Ile muchi. A été placé là. Ilitiliwa pale dans un but. Mushaba moya. Tout a un but. Yote biko paka na kifukuzio. Est-ce qu'on peut répéter cela? Mwenye kuirudilia. Tout a un but. Yote biko na shaba. Dites cela haute voix. Tuseme na sauti kubwa. Tout a un but. Amen. 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 Cela. Tout a un but. Asema biote biko na shaba moja. Tout doit servir. Biote binapasha kutumika. Alléluia. Amen. Tout a un but. Biote biko na shaba. Tout doit servir. Na biote binapasha kutumika. Et nous sommes ici. Na tuko hapa. Ici c'est où? Hapa ni wapi? Dites-moi mes sœurs, c'est où? Unyambie basema tuko hapa. Hapa wapi? Ici c'est hapa. Où? Hapa wapi? Présentement là où tu es. Nikusema ni pale osha kuikala. Là où tu es. Mahali penye unaikala. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Nous sommes ici. Tout quoi pas dans un but. Mushaba. Il se pourrait que ce soit pour témoigner à quelqu'un pour qu'il soit sauvé. Peut-être tu as entendu ce que tu as entendu. Quand tu vas partir, tu te souviens, unakumbuka. Le pasteur nous a parlé. Tu peux témoigner à quelqu'un, ton témoignage fera qu'il soit sauvé. Alléluia. Amen. Il dit, et de là peut provenir un prédicateur qui enverrait 1 million d'âmes à Christ. Na ile enye kisha we kufanya vile kunaweza kutokea mhubiri unaweza kuleta ma million kwa Kristo. Peut-être qu'il a encore cette nature de cochon. Sasa zingine ile mtu mwenyewe angana tabia ya mtu. Sasa wakati utaenda kushuhudia, il va abandonner cette vie et devenir un prédicateur. Anaacha ile maisha alikuwa nayo anakuwa mkristo na kisha anakuwa mhubiri. Alors il donne l'exemple, le témoignage de Dwight Moody. Analeta sasa ushuhuda hapa ya Dwight Moody. Considère la conversion de Dwight Moody. Anasema kuangalia maongezi ya Dwight Moody. Et beaucoup d'autres. Na bia wengine. Vous voyez. Unaona? C'était juste un brave une brave petite femme. Yeye alikuwa tu mke moja. Une petite lavandière. Yeye alikuwa tu na ushisha vitu fulani. Non, 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 non. Et alikuwa na fula manguo. On parle de la conversion de Dwight Moody. Banasema tu kugeuka kwa Dwight Moody. C'est un serviteur de Dieu. Alikuwa mtumishi wa Mungu. Un grand évangéliste. Alikuwa mpashabari njema. Gagné beaucoup d'âmes. Mwenye alipata manafsi mingi. Mais sa conversion. Sasa kugeuka kwake yeye. C'était une femme. Ah, ilikuwa ni mwanamke moya. Qui avait loué. Mwenyewe ali. Qui avait payé. Mwenye alilipaka. Qui avait invité un prédicateur. Kuita kwa mhubiri. Et le prédicateur est venu prêcher. Mhubiri anakuwa anahubiri. À cette campagne d'évangélisation. Sasa mwile kupasha kwa habari njema. Il y avait un seul converti. Ulikuwa mtu mmoja tu ndio aligeuka. Une seule personne avait donné sa vie. Mtu mmoja alipata Kristo maisha yake. C'était Dwight Moody. Ilikuwa ni ule wa Moody. Qui avait invité ce prédicateur dans ce village là, c'est cette femme, une lavandière. Ule alikaka ule mhubiri, muile muji ilikuwa ni ule mke. Qui est-ce qui a amené ce prédicateur à recevoir ce Christ? C'est cette femme là. Qui l'a qualifié de mhubiri? Qui a supporté un prédicateur? Apoke yeko Kristo ni nini? Ni ule mwanamke. Et l'a invité là-bas. Jo alisaidia mhubiri na mhubiri akafika kule. Celui-là a prêché. Ule naye akahubiri. Le prédicateur a été sauvé. Sasa mhubiri ule akaokolewa. Dwight Moody a été sauvé. Dwight Moody akaokolewa. Amen. 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 Et lui aussi a envoyé beaucoup d'âmes. Sasa kupitia yeye ndio analeta manafsi mingi kwa Kristo. Sauvons les âmes. Tokoe manafsi. Soutenons l'œuvre de Dieu. Tukumbuke kazi ya Mungu. Parce que quand vous le faites, votre nom sera attaché à toutes ces âmes là. Jina yako wewe itambatana na ile manafsi yote taita kwa Bwana. Alors il dit, anasema hivi. Une brave petite lavandière. Anasema huyu mke mwema. Il y avait un message dans le cœur. Mwenye alikuwa kana ujumbe moyoni mwake. De faire quelque chose. Yeye kufanya naye kitu fulani juu ya Mungu. Elle loua une vieille écurie. Sasa ndio akaenda kuluwa ile écurie. Elle fit venir un prédicateur. Akaita kwa mhubiri. Pour que celui-ci prêche. Juu ya huyu mhubiri naye ahubiri. Il n'y a eu là qu'un pauvre petit garçon avec les cheveux qui lui tombaient jusqu'au cou. Kisha mahubiri kulipatikanaka tu kiana moja mwenye alikuwa na nywele nyeku yana paka na kushingo. Il portait les bretelles de son père. Yeye alikuwa mwenye kuvaa mavazi ya baba yake. Il s'avança. Akakaribia. Et sa génie alors. Akapiga magoti kwa madhabahu ile magharibi. Et c'est Dwight Moody. Na jina yake ilikuwa ni Dwight Moody. Qui a envoyé un demi million d'âmes à Jésus-Christ. Na mwenye alitumaka ako asilimia 500 ya manafsi kwa Mungu. Voyez-vous? Munaona? Cette femme avait quelque chose à faire. Ni kusema huyu mwanamke ndio alikuwa na kitu fulani kaye kufanya. Vous êtes là pour un travail, pour un but. Wewe uko hapa juu ya kazi na juu ya shaba fulani. Huyu mwanamke in lavandière. Mwenye alikuwa ananunulisha vitu yake wale kusafishana manguo. Cette femme. Oui, mon amouké. Elle avait un but. Elle avait quelque chose à faire. Na shaba, na alikuwa na kitu fulani kaye kufanya. Est-ce qu'elle était prédicateur? Alikuwa kwa mhubiri? Non. À part. Mais par elle. Lakini kupitia yeye, quelqu'un a été sauvé et celui-là est devenu un grand prédicateur. Mutu fulani akaokolewa. Elle a supporté un prédicateur. Na kupitia ule mtu akakuwa mhubiri kubwa na yeye ndio alisaidia ule mhubiri. Cette femme avait quelque chose à faire. Ule mwanamke alikuwa na nini kitu fulani kaye kufanya. C'était dans un but. Ilikuwa mushaba. Suivez maintenant. Sasa fuatilia. Elle fut faite lavandière dans un but.
Na alikuya na fanishane le kazile ilikuwa tu mushaba fulani. Dieu a fait de toi ce que tu es dans un but. Mungu anakufanya kile uko mushaba fulani. Tu es médecin dans un but. Kama uko muganga una shaba fulani. Tu as les dons de guérison, c'est dans un Kama but. Kama uko na zawadi ya uponyaji na shaba fulani. Tu as la prophétie dans un but. Kama uko na sauti ya unabii iko na shaba fulani tena. Amen. Amen. Tu es un homme d'affaires dans un but. Kama uko mufanya biashara kuko tena shaba nyuma ya ile. Tu es un travailleur assis, Dieu t'a élevé, t'a donné un grand travail. C'est dans un. Kama kuna tumika kazi ya fashi mzuri, iko paka na shaba tena. Pose-toi la question, ce que je fais, qu'est-ce que je fais aussi pour toi? Sasa, waweze kujiuliza na kusema, hii mambo niko nafanya ile kazi ninafanya, nafanyishaka na yeye Mungu nini? Elle était l'avant-hier. Yeye alikuwa anasifishana kama nguo. Il avait quelque chose à faire pour le corps. Lakini alikuwa na kitu fulani cha kufanya juu ya ufalme wa Mungu. Elle avait quelque chose à faire pour le corps de Christ. Alikuwa na kitu fulani cha kufanya juu ya mwili ya Kristo. Tout a un but. Vitu vyote viko na shaba. Tout a un but. Vyote viko na kifukuzio fulani. Amen. Amen. Elle fut faite lavandière. Qui a fait d'elle lavandière? Ni nani alimfanya anze kutumika ile kazi alikuwa anatumika ni Mungu. Notre sujet c'est ajili yetu wala tema yetu kusema. Prédestinée par Dieu. Fashi yenye kutayarishwa na Mungu. Pour chaque membre du corps de Christ. Juu ya kila mwanamemba yote wa mwili wa Kristo. Dieu savait que celle-ci. Mungu alikuwa anasema huyu. Par elle. Kupitia yeye. Ce prédicateur arrivera dans ce village. Ule mhubiri atakuwa mwiki jiji. Le prédicateur ne connaissait même pas. Mhubiri ashikuyaka tuseme kijiji kile kwa. Peut-être même pas ce village là. Sasa zingine alikuwa anapitia paka pale. Il était occupé à autre chose. Yeye alikuwa anashughulikia vitu vingine. La femme l'a invité. Lakini ule mke akamwalika. J'ai loué une écurie. Akamwambia mimi natafuta kufasha huko. Tu peux venir apporter la parole dans mon coin. Awezi kuyako kuhubiri kumwiki jiji kyangu. Il a accepté. Akaitika. C'est la femme qui l'a invité. Mwanamke ndio alimuitaka. Dieu l'a utilisé. Mungu alimtumikisha. Amen. 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 Dieu travaille des deux côtés. Mungu atumika ngambo yote. Il peut mettre quelque chose en toi. Aise kitu fulani ndani mwako. Il met aussi la disponibilité anakuya, dans les anakuwa kuweka tena ile roho ndani mwangu ya prédicateur. Ya ule mhubiri. Il est arrivé. Akafika. Il a prêché. Akahubiri. Un seul garçon a cru. Ukatoka kiana moya tu. C'est Dwight Moody. Ilikuwa ni Dwight Moody. Comprenez? Unaona? Un grand prédicateur. Akatoka mhubiri. Il a envoyé des milliers. Mounia l'état maelf. Dame à Christ. Maelf y a mingi quoi Christo. Frère madame nous dit maintenant. Ndoko madame t'a mis saïvi. Ne méprisez pas l'endroit où Dieu vous a placé. Apana kuzara ou fashi le mungu anakutia. Ne méprisez pas l'endroit où Dieu vous a placé. Apana kuzara ou il est fashi mungu anakueka. Est-ce qu'on peut répéter cela? Tu restes curieux de lire Chibote. Ne méprisez pas l'endroit où Dieu vous a placé. Allez-y. Moi, vous savez, moi. Répétons encore. Tu restes curieux de lire. Ne méprisez pas l'endroit où Dieu vous a placé. Amen. Amen. Ça, c'est frère Branham. Oui, une douce Branham. Maintenant, ça. Moi-même, je vais dire maintenant. Mi ça, ça m'est accusé. Je ne veux pas mépriser l'endroit où Dieu m'a placé. Si pendemi kuzarau fashi nyi mungu ananiweka. Je ne veux pas mépriser l'endroit où Dieu m'a placé. Sema muwe moya. Je ne veux pas mépriser l'endroit où Dieu m'a placé. Amen. Amen. Il dit mais accomplissez votre but. Asema timiza za shaba yako. Il y aura un grand jour de victoire l'un de ces jours. Kutakuwa siku moja ya ushindi moja hii masiku. Lorsque la bataille sera terminée. Wakati vita itamalizika. Amen. 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 Frère Branham dit encore ici. Tuku Branham asema tena hivi. Dans les retours et les jubilés. Mumahubiri kurudi na jubilé. Du 22 novembre 1962. Maintenant nous trouvons que lorsque Josué est entré dans le pays, ils ont traversé le Jourdain. Ils sont entrés dans la terre promise. Il a partagé la terre promise.
Lorsque Josué partagea l'héritage au peuple, chaque personne était, du point de vue position, était placé exactement comme ses mères juives avaient nommé ses enfants. C'est comme cela qu'ils furent placés en Palestine. Juste à leur place. Aser, Gad, Nephtali, Juda, chacun d'eux. Qui la monte à bon? Chacun d'eux était placé exactement dans sa position. Qui la monte à wabo? Balikwa na batia parfois chihai. Qui a capté sa pamusima mo wabo? Quelle merveilleuse image cela nous donne. Anasema ini picha muzuri kani ya ina munene tupatia. Car cela est un type de placement dans l'église. Kwa sababu ili kwa mufano ya kutiliwa ndani ya kanisa. Par Dieu lui-même. Kupitia Mungu peke yake. C'est Dieu lui-même qui. Ni Mungu ndiye anatia watu vile. Amen. Amen. Cela est un type de placement dans l'église. Anasema hii ni mfano ya kutiliwa ndani ya kanisa. Par Dieu lui-même. Kwa Mungu peke yake. De chaque membre. Ya kila mwanamemba. De chaque pierre. Ya kila jiwe. De chaque place. Ya kila fashi. De chaque chrétien. Ya kila mukristo. Comme individu. Sawa vile mtu pale wake. Chacun de nous. Kila mmoja wetu. Selon sa particularité. Kufatana na ile kazi anapewa. A une place dans la maison de Dieu. Eko na fashi yake nyumbani mwa Mungu. Et je peux entendre un amen là-bas. Naweza kusikiza amina. Chacun de nous, selon sa particularité, a une place dans la maison de Dieu. Voulez-vous dire amen? Qui croit qu'il a une place dans la maison de Dieu? Si vous êtes entré là-bas, vous avez une place. Kama hapo viliingia, uyosema kuna fashi. Ili. Anasema hivi. Maintenant, il parle de la construction du temple de Salomon. Anasema sasa jua majengo ya hekalu ya Salomoni. Il dit les matériaux venaient de toutes parts. Anasema vyombo vilikuwa vinatupika na vilikuwa vinatokea mahali ya kuachana. Venaient du monde entier. Vilikuwa vinatokea dunia yote mzima. Même les pierres. Ata majiwe. On les taillait dans des carrières différentes. Balikuwa naifanya makarriere ya kuachana. Quand ils sont venus construire. Sasa wakati walikuwa wanakuja kujenga. Là ce n'était plus la place pour tailler. Hakuwa tena fashi tu kwanza kukata ile maibwe. On les plaçait. Balikuwa naiyenga. Et toutes ces pierres. Na hii maibwe yote. S'emboîtaient parfaitement. Ilikuwa napatana kabisa mukamilifu. Chaque pierre occupait sa place. Ilikuwa napata fashi yayo. Chaque pierre occupait sa place. Ilikuwa nakala pa fashi yayo. Frère, maman, dans le message, la dédicace d'un temps. Nduko mwana mumuma mubiri kutolee kan. Il dit ceci. Anasema mo hivi. Il dit. Anasema. Quand ils ont placé les pierres. Kisha boku tia majiwe. Ils ont vu une autre pierre. Bariona ribwe ingine. Qui avait une mauvaise forme. Yenye haikuwa na umbo mzuri hapa. Ils ont jeté ça. Bari tupa ça. Ils ont continué à construire. Arrivé à la fin, le mur avait penché. Eh, mais il manque quelque chose. Ils ont commencé à chercher. Où est la pierre qui est ici? On a cherché. Même dans des bateaux, dans des cargaisons, là partout, on a cherché. On a cherché. Quelqu'un dit, eh! Mais voici, il y a cette pierre que nous avions laissée. Essayons un peu de la placer. On est propres. Elle correspondait à la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Est devenue la principale de l'angle. La pierre que vous, les bâtisseurs, vous rejetez. Quelle est cette pierre? C'est Jésus-Christ. Amen. 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 La pierre principale. Jiwe ya msingi. Alors c'est là qu'il dit. Njopa anasema hivi. Vous voyez que dans la maison. Unaona sema kunyumba. Il y avait des matériaux. Kulikuwa vyombo. Des pierres qui venaient de toutes parts. Kulikuwa maibwe ilikuwa inakuwa mafasha ya kuachana. Si je peux actualiser ça. Kama inaweza kufasha mko mambo kwa ya leo. Même dans la construction de ce temple. Ata mayengo hii ya kale. La maison de Dieu. Munyumba ya Mungu. Ça c'est le fruit de beaucoup d'efforts. Hii ni matunda ya kujitoa kwa bantu ba mingi. Ya la contribution de tel. Kuko huyu aleta kifulani. Ya si lilaga fesa. Huyu aleta kifulani. C'est l'église qui construit. Ni kanisa ndio kuna yenga. Chacun est en train de. Kila mtu yuko na toa. Comme nous le ferons, nous allons souscrire tout à l'heure. Sa ville tutaandika hapa sasa. Au niveau où nous sommes là. Mwiki wangu tunafika hivi. Chacun a un rôle à jouer. Kila mtu yuko na tendo yake kutenda na yeye. Amen, amen, amen. Amen.
Amen. Amen. Il dit c'est comme le temple de Salomon. Quand il était taillé dans le monde entier. Cela fut apporté à Jopé. Cela est venu en flottant sur l'eau. Ça a été transporté sur un char. Et toutes ces pierres étranges avaient leur place lors de l'édification du temple. Et je pense que Dieu, tout au long de ce temple, a taillé certaines pierres très étranges que peut-être nous n'avons pas compris. Mais elles ont leur place précise dans le temple, dans l'édifice de Dieu. Et Josué, par inspiration, non juste par mathématiques, non, mais il est inspiré par Dieu. Il a placé chacun de ses patriarches dans sa position, très exactement comme leur nom l'indiquer. Quelle image de Dieu dans ses chefs-d'œuvre. C'est la place devant nous. Personne n'aurait jamais pu faire cela en dehors de Dieu. Il n'y a pas moyen de le faire. Pour faire s'ajuster chaque pierre à sa place. Il n'y a que Dieu. Amen. Amen. Dieu seul. Cela devait être. C'était un don de la part de Dieu. Dieu, par sa merveilleuse grâce, donna à ces gens cette terre et cet emplacement. Et les plaça là conformément à sa parole et à leur naissance. Oh, combien cela correspondait correctement et même bien parfaitement. Je pense que c'était un type. Amen, amen, amen. 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 Bien-aimés frères et sœurs, votre place est prédestinée. Qui croit qu'il a une place dans le monde? Votre place est prédestinée. Je voudrais vous lire la déclaration du prophète. Il dit que personne ne prendra votre place. Je vais vous lire une autre déclaration. Je vais lire deux déclarations maintenant. Une autre. Où Dieu avertit chacun pour lui rappeler sa responsabilité à la place qu'il t'a donnée. Personne ne peut te remplacer. Mais si tu es là et tu n'accomplis pas ton but, tu auras à répondre à Dieu. Et frère Branham dit, même le jour de la résurrection, il dit, il y a une résurrection pour ceux qui ont accompli le but de Dieu dans leur vie. Si vous n'accomplissez pas le but de Dieu, vous ne vivez pas pour Dieu, vous irez dans les lieux de tourment. Ça c'est grave. Ce n'est pas pour rien quand Esaïe dit « Maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. » Dieu t'a placé dans ce quartier pour être un témoin de Jésus-Christ, un enfant de lumière dans ce quartier. Au lieu de jouer ton rôle, pas tu scandalises. Les gens commencent à dire, c'est ça les branamistes. Tous les jours, brochures. Et vous, chacun aura réponse pour cette responsabilité. Suivez les prophètes. J'ai lu les deux déclarations et nous arrêtons pour nous. Parce qu'il est presque temps. Suivez. Je lis d'abord dans l'opprobre à cause de la parole. Et puis je lirai, Dieu ne juge pas un homme sans l'avoir
d'abord averti. Kisha tasoma matena Mungu hawezi kusambisha mtu kabla yeye kumju. C'est un avertissement que je donne à chacun. Moi, je joue mon rôle. Si je ne le fais pas, j'aurai à répondre devant lui. Comme pasteur, je dois perdre les troupeaux de Dieu. Je dois vous présenter tous les conseils de Dieu. Amen. Amen. Je dois prêcher. Na dans les moments favorables ou non. Moumanam, na je dois insister. Je dois censurer. Pour que l'homme de Dieu soit accompli en vous. Dieu a kusema, kazi ya Mungu itendeke ndani mwako. L'opprobre à cause de la parole de Dieu. Haya, yenye kutupiliwa Dieu mbele. Haya, yenye kutupiliwa pa neno la Mungu. C'était un message qu'il avait prêché le 23 décembre 1962. Le 23 décembre 62. Suivez les prophètes. Vous aurez toujours à subir cet opprobre. L'opprobre de Christ. Haya Christo. Le nom de Jésus. Jina la Yesu. Oh, c'est un nom merveilleux. Ni jina dama. Mais chaque jour, kila siku, un chrétien prend sa croix. Mon Christo est kopaka na musalaba. Comment suivre Jésus? Unaweza kufuata Yesu. Pour prendre ta croix chaque jour. Ni kusema juu ya kufuata Yesu na pasha kubeba msalaba yako kila siku. C'est un chemin resserré. Ni njia yenye kwa mwembamba. Amen. Amen. Cette voie sainte là. Njia takatifu. Ce n'est pas pour tout le monde. Haina juu ya watu wote. Seul les rachetés y marchent. Ni paka wateule tu nyamatembelea yamo. Amen. 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 Vous aurez toujours à subir cet opprobre. Hakika utazopata paka hii haya. Pour être testé. Juu yawe kujaribiwa. Pour voir. Juu ya kuona. Tout homme qui vient à Christ. Mtu atakayekuwa kwa Kristo. Doit d'abord être formé. Kia kwanza napasha kutungwa. C'est cette formation que j'ai donnée. Jo hiki si ninampatia hii mafundisho. C'est la formation. Hii ni mafundisho. Le Saint-Esprit nous forme. Roma taifa natutunga. Il m'utilise. Na ananitumikisha. Et je parle de sa part. Niko nasema kupitia yeye. Le Saint-Esprit dans l'église Rome, Mukadisa, parle par le pasteur. Et qu'on a sema kupitia pastori. C'est ça la formation. Hii njo mazoesho. Vous êtes formé. Hapa muna zoesho. Il dit, anasema hivi. Tout homme qui vient à Christ Mutu yote mwenye kwa doit Christo, d'abord être formé anapasha kwa kutungwa, comme un enfant. Sawa vile mutoto. Formé pour le but kutungwa juu ya shaba auquel Dieu l'a destiné. Yenye Mungu alitangulia kumutayarishia. Dieu t'a appelé à devenir un ministre. Mungu alikuita wewe mtumishi. Tu dois être formé. Unapasha kutungwa. Amen. 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 Nous exerçons, nous avons ici été formés. Hapa tuko na hubiri leo tulitungwa wale tulizoeshwa juu ya hivyo. J'ai été formé. Na mimi pia nilizoeshwa. Amen. Amen. J'ai travaillé au pied du pasteur André. Nilitumika kumiku. À ses côtés. Pembeni ya pasteur André. Comme diacre prédicateur. Sawa vile shemasi na mhubiri. Pendant 12 ans. Miaka 12. C'est la formation. Il quoi ni mazoesho. Amen. 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 Vous devez être formé. Na wewe picho unapasha kuzoeshwa. Vous devez être formé. Unapasha kutungwa. Même pour être un chauffeur. Atajua kwa dereva. Tu dois être formé. Unapasha bakuzoeshe. Pour être un bon carreleur. Tu dois kuya kwa manzo mzuri. Sois d'abord un assistant. Kia kwanza kwa nasaidia kwanza mtu. Sois formé. Njo utungwe. Ne cherchez pas des raccourcis. Pour devenir un directeur dans une entreprise. Normalement. Nous avions étudié l'administration. Tu les fondes quoi cas d'administration. Non, dans l'administration il n'y a pas de parvenu. Non. Mon administration, vous allez que vous êtes tokelé à tuer Japan. Vous commencez par être un attaché de bureau. Qui a quoi en sortant quoi qu'on embête dans l'office. Agent de bureau. On a quoi quoi ça monte à mon office. On a fait faire bingé bingé bureau. Chef de bureau. On a quoi qu'on a quoi dans mon coup à office. Chef de service. On a quoi qu'on a quoi chef ou à cas. Division. On a quoi attaque à mon tout footlight. Directeur de département. On a quoi directeur dans les départements. Tu connais quand même comment. Si on a eu un homme dans Kani, quoi, on a eu un homme dans Kani. Même si on te mettait un PDG. Ataka bana kuweka sema wewe ndio mwenye na kuwa bwana mkubwa wa kampuni yote mzimu. Ulikosha kutungwa kuanzia kumwanzo. Amen. Amen. Même dans les domaines de Dieu, il y a la formation. Ata mu mambo ya Mungu na muko kuzoeshwa. Dieu a formé Moïse. Mungu alitunga Musa. Il a pris.
Il a été formé en Égypte jusqu'à 40 ans. Dieu l'a amené au désert. Il l'a dépouillé pendant 40 ans. Et dans 5 minutes, dans la présence de la colonne de feu, il a reçu plus que ce qu'il avait reçu en Égypte. Les voilà qui rentrent en Égypte. Dieu dans la chair humaine. Et il a été fourni. Frère Branham a été fourni. Dieu l'a fourni. Quand il l'a appelé, il lui a dit, ne fume pas, apana kufuta, ne bois pas, ne te suis pas avec apana la femme. Il avait quel âge? 7 ans. Est-ce qu'il pouvait prêcher à 7 ans? J'aurai une œuvre avec toi quand tu seras grand. Dieu l'a formé par des épreuves, par des problèmes. C'est vraiment l'ange est venu. Je vais t'expliquer maintenant. Cette vie étrange. Il lui donne la forme. Tu es né pour être un prophète. Tu es né, tu auras un don de guérison. Il lui a parlé. Alors il a... Il y a la formation. Amen. Amen. Moïse. Moussa. Avait aussi Josué. Josué a été formé. Joshua, c'est allé tungwa. Allé fondishwa. Amen. Amen. Après la mort de Moïse. Kisha lufula Moussa. Josué n'a pas pris la place de Moïse. Joshua, je coupe mes fâches à Moussa. Il n'a pas pris la place de Moïse. Je coupe mes fâches à Moussa. Il avait sa propre. Hier, quoi, la fâche à qui? Il a pris la relève, mais pas la place de Moïse. Parce que Dieu lui a dit. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Moïse, mon serviteur, est mort. Lève-toi maintenant. Passe ce Jourdain. Toi et ce peuple. Car c'est toi. C'est toi que j'ai choisi. Toi. C'est toi qui mettra ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Que ce message de Moïse ne s'éloigne pas de ta bouche. Il ne lui a pas donné un autre message. Médite le message de Moïse. Médite le jour. Quand il est entré, il disait, Moïse avait dit. Moïse a dit. Moïse a dit. Moïse a dit. Il avait sa place. Moïse avait sa place. Vous devez être formé. Même nous, je suis aussi un de Josué. Dit, Dieu, il dit la dénomination a échoué. L'organisation a échoué. Dieu suscitera un nouveau système. Un système interdénominationnel. C'est Josué qui conduiront l'église à la promesse. C'est ce que je fais. Je conduis l'église à la promesse. Traversons les Jourdains. Allons dans le pays de la promesse. Mais je n'ai pas mon propre message. C'est le message de Branham. C'est ça que je répète. Je répète le même message. C'est pourquoi nous lisons. Pour être fidèle. Ce que moi je vais donner donnera la mort. Mais c'est que Frère Branham a dit, je l'ai déjà confirmé comme étant la vérité. Et dans cette vérité, il y a la vie, il y a la vérité. Cette vérité, c'est la lumière de l'âme. Amen, amen, amen. Amen. Tout homme qui vient à Christ doit d'abord être formé comme un enfant pour le but auquel Dieu l'a destiné. Souvenez-vous, si seulement vous pouvez rester tranquille, rappelez-vous, s'il vous a appelé dans un but, s'il vous a appelé dans un but donné, souvenez-vous, rappelez-vous. S'il vous a appelé dans un but donné, il n'y a rien
Hakuna chochote qui puisse empêcher cela de se produire. Kile kinaweza kuzuiza hii mambo jitendeke. Si Dieu vous a appelé, kama Mungu alikui, dans un but donné, mushaba fulani souvenez-vous, kumbuka sema, il n'y a rien. Hakuna chochote qui puisse empêcher. Hakuna kitu kinaweza kuzuiza. Cela. Ile. Cela c'est quoi? Ile ni nini? C'est le but. Ni shaba. Lequel Dieu t'a appelé. Yenye Mungu alikuitia. Cela ne peut, il n'y a rien qui puisse empêcher. Hakuna kitu kinaweza kuzuiza ile. Il n'y a pas assez de démons dans les lieux de tourment. Hakuna mapepo chafu yenye kwa mahali pa matatizo. Pour empêcher la parole de Dieu de se manifester. Tu ya kuzuiza neno la Mungu yaonekanike. Vous êtes né dans un but. Mwe mnazaliwa kwa mushaba. Dites je suis né dans Sema, un but. Sema je suis né dans le but. Je suis né dans un Mimi but. Mimi nazaliwa kwa mushaba fulani. Il n'y a rien. Hakuna kitu hata kimoja. Il n'y a rien. Ni kusema hakuna kitu. Il n'y a rien. Hakuna chochote. Qui peut empêcher cela de se produire. Kile kinaweza kuzuiza hivi vitendeke. Le but de Dieu se produira dans ma vie. Shaba ya Mungu inapasha kutimizika kabisa mu maisha yangu. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous êtes né dans un but. Munazali kwa mushaba. Personne ne peut prendre votre place. Hakuna mtu hata moya anaweza kubeba fashi yako. Vous êtes né dans un but. Dada nazali kwa mushaba. Personne ne peut Hakuna prendre votre place. Hakuna mtu hata anaweza kubeba fashi yako. Dites je suis né dans un but. Sema nazali kwa mushaba. Personne ne peut prendre ma place. Hakuna mtu anaweza kubeba fashi yangu. Je suis né dans un but. Nazali kwa mushaba moja. Personne ne peut Hakuna prendre ma place. Hakuna mtu hata moja anaweza kubeba fashi yangu. Je suis né dans un but. Nazali kwa mushaba. Personne ne peut Hakuna prendre ma place. Hakuna mtu anaweza kubeba fashi yangu mimi. Vous aurez peut-être des imitateurs. Sa zingine unaweza kupata watu waigaji. Et tout le reste. Na bengine vinabakia. Mais ne prendront jamais votre place. Lakini hata binafanika vila bawezi kubeba fashi yako. C'est vrai. Hakika njo vile. La parole de Dieu triomphera. Neno la Mungu itashinda paka. Elle ne peut pas faillir. Haiwezi kushindwa. Elle ne peut pas faillir. Haiwezi no kushindwa. Elle ne peut pas faillir. Sema neno la Mungu haiwezi kushindwa kamwe. La parole de Dieu triomphera. Neno ya Mungu ina La parole de Dieu triomphera. Neno ya Mungu inapaswa kushinda. Elle ne peut pas faillir. Haiwezi yo kushindwa. Elle ne peut pas faillir. Haiwezi yo kushindwa. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. La dernière déclaration. Injo nuku ya mwisho. Ce sont des pépites d'or. Asema injo tuvitu tuzuri. Tout ce que je vous donne ici. C'est la carrière d'or. Wanasema hii ni kampuni ya dhahabu. Wala shamba ya dhahabu. C'est plus que de l'or. Ni kusema hii yenyewe tena tunaweza kusema inashindia hata dhahabu. Suivez maintenant. Sikilizeni sasa. Avertissement puis jugement. Asema sopesho kisha hukumu. C'est un message prêché le 24 juillet 1963. 24 juillet 1963. Hii ndio nuku ya mwisho juu ya leo. Alléluia. Suivez. Sikilizeni. Paragraphe 34 nous descendons. Suivez très bien jusqu'à 40. Suivez très bien. Mufate hadi makumi ine. Mufate mzuri kabisa. Ça résume presque tout ce que je voulais dire. Hii kona inafupisha hii mahubiri yote. Et maintenant. Sasa hivi. Nous voyons ici. Tunaona hapa. Que sa nature. Ya kwamba asili ya. La nature de Dieu. Ni kusema tabia ya Mungu. C'était toujours d'avertir l'homme avant le jugement. Asili ya Mungu inekalaka tu ya kusopesha mtu kabla kumsambisha. Avertir une nation avant le jugement. Kusopesha kwa taifa fulani kabla kuisambisha. Ainsi de suite. Na bingine bifuatayo. Il donne toujours son avertissement. Anataka paka sopesho. Qui nous rappelle. Yenye iko natukumbusha. Une responsabilité. Mzigo tunayo. Nous sommes responsables. Hakika tuna mzigo. Et Dieu nous a placés ici sur terre. Na Mungu ni mwenye kututia hapa duniani. Pour une raison. Tu ya shaba moja. Et cette raison pour laquelle Dieu nous a placés ici sur terre. Na ile nye sababu Mungu anatutilia hapa duniani hapa. Nous sommes responsables devant lui pour cette raison-là. Chie, tuko bene kuchukua mzigo mbele yake juu ya ile sababu. Vous devriez aller vers lui. Wewe ulipasha kumwendea yeye. Pour découvrir ce qu'il veut que vous fassiez. Juu ya wewe kufika kutambua ni kitu gani anapenda wewe umtendee. Nous avons des réunions de prière. Tuko na mkusanyiko wa maombi. Si tu n'as jamais connu ta place. Kama wewe hauko fashi yako. Et que tu es déjà dans les corps. Na usha kuingia mumwili. Viens lui demander. Wewe kuesa umuulize. Il va te révéler ta place. Atakufunulia fashi yako. Si tu n'es pas encore entré. Kama wewe ingiaka na wewe. Entre. Ingia. C'est quand ils sont entrés. Kisha wewe kuingia. Que Josué a partagé le pays. Njoo sasa Yoshua alikabulaka mugini. Français.
Si vous alliez travailler pour un homme et qu'il vous donnait un travail dans une ferme ou ailleurs et que vous alliez tout simplement à la grange, et vous vous asseyez simplement là et disiez, eh bien, vous voyez, vous n'allez pas seulement vous asseoir, non? Vous devez aller lui demander ce qu'il veut que vous fassiez. Alors faites cela. Si vous travaillez pour un homme, cherchez à savoir quelles sont vos obligations. Oui. Kisha, Francis, si nous devons passer notre vie sur terre, nous devons donc aller vers celui qui nous a placés ici et dire, Seigneur, ça c'est suisse, c'est la tradition, c'est suisse, ce n'est pas les mêmes. Les mêmes paragraphes, mais on peut quand même lire ça. Voilà. Si nous avons une vie ici sur terre, là-bas on voit, il fallait changer ça. Les gens ne voient pas. C'est toi maintenant qui nous prends le temps. Oui, ça, c'est un jour. Bien. Nous continuons. Si nous devons passer notre vie ici sur terre, nous devons donc aller vers celui qui nous a placés ici et dire, Seigneur, que désires-tu que je fasse? Que dois-je faire? Pourquoi suis-je ici? Si tu n'as jamais découvert ta place, demande au Créateur. Je suis une ménagère. Qu'est-ce que je fais pour ton corps? Pour l'église. Je suis lieutenant. Qu'est-ce que je fais aussi? Dieu appelle ses enfants dans toutes les couches. Tu as une place dans les corps de Christ. Tout en étant soldat, tout en étant capitaine, tout en étant officier, tu as aussi le plan. Tu dois briller là où tu es. Faire briller le flambeau de l'évangile. Amen. 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 Frère Banab, comment ça expliquer? Si c'est pour être une ménagère, une laveuse de vaisselles, quoi que Dieu désire que vous fassiez, faites-le. Oui, tende. Alors, au mieux de votre connaissance. Ce que Dieu t'a montré, la fête de la meilleure façon qui soit. Si tu es un diacre, sois un diacre, un modèle de Christ. Tu es un administrateur, sois un véritable administrateur. Fais ton travail de la meilleure façon. Tu es pasteur. Paie le troupeau de Dieu. Quand Jésus est apparu à Pierre, même tu plus que même ceci. Asema, on a ni penda. Paie mes aïeux. Lisha makondo yang. Il pose encore. Analyse tes. Même tu. Petro nani penda. Paie mes brebis. Oui, Lisha makondo. Il a posé trois fois. Alimuliza mara tatu. Un pasteur. Pasteur inai. Pour montrer la reconnaissance envers l'amour de Dieu envers moi, je dois paître son troupeau. Dieu aye connaisse ma pendo. Ya mungu yana nyonesho na miye. Na pasha kulisha makondo yake. C'est une responsabilité. Ni muzigo. C'est une responsabilité. Ni muzigo. J'aurai à répondre. Ndaijibiaka. Faut pas que vous disiez mon pasteur m'avait menti, il m'avait pas dit ça. Je dois prêcher. Apana shikumona shimona sema pasteur ni landaka shikumona mega apana mina pasha kuhubiri.
Oh, il ne m'avait pas dit pour la télévision, je ne savais pas. J'ai dit. Je l'ai dit aujourd'hui. Cessez avec les matchs, le stade dans vos maisons. Moi, ce sont les démons que vous attirez. Mambo ya kubeba ma stade ku yekea munyumba. Bile bitu bishoze kukokota. Que votre télévision soit là pour la gloire de Dieu. Télévision yako, munyumba yako iwe mujua utukufu ya Mungu. Quand vous aviez acheté ça, vous aviez consacré ça à Dieu. Pale uliuza, uliitolea Mungu. Qui avait consacré? Nani alitolea kwa télévision yake kwa Mungu? Très peu. Or, vous avez tous les télévisions. Moi, vous savez que non, il faut même pas vous prier Mungu parce qu'il y a quelque chose qui est un démon. Ni kusema muri katana ta kuitole. Nasa sa hivi njo entre yenye ya mabuku chafu. Vous n'avez même pas prié pour ça. Wao kuyombea ta kuyombea unayeka pa. Tout ce que vous faites en acte ou en parole, faites le nom de Jésus. Bila bila quand Dieu vous donne quelque chose, consacrez cela à Dieu. Tu ya kitu fulani, pas que fanya tu ya Mungu. Kama unapata kitu fulani, mutolee yekyo. Nos biens, nos maisons, nos véhicules, nos enfants. Ma metoka yetu batoto, bintu byote. Même si tu achètes un ami. Ataka monoza nguo. Faut prier. Suna ombe ya kule nguo. Derrière chaque chose, il y a des esprits. Nyuma ya kila kitu, roho pepo mchafu iko hapo. C'est peut-être un ami usagé. Sa zingine unauza wewe ni nguo ya ngombe. Est-ce que tu connais celui qui avait porté? Unaona yule alivaa kile nguo ya ngombe ile. Embarabu. Sa zingine ni mtu wa marabu. Un sorcier. Muloshi. Qui allait avec ça au cimetière. Anaweza kutaka nayo mu makaburi. Nena mungombo. Sasa unaangalia paka chemise. Njoo. Tu dors, les démons commencent. On a l'âme, mais pourquoi tu as fini à faire froid? Ah, Kabodi, qu'est-ce qu'on vient? Kabodi, Kabodi. Kenya Kwenea. Est-ce que nous avons dit que nous avons dit? Kabodi, moi, je suis une famille. Oh non, il est prêt à porter. On a une région. Prêt à porter. Prêt à porter. Il y a des gens qui ont touché ça. Pourquoi pas tu parles de Baribamba? Est-ce que tu connais cet homme? Vous le montrez à Mouyoua. Qu'est-ce qu'il invoque? Ni kitu kani alikuanza kuita. Ya ça c'est comme plastique. Unasema ah hii bana tosho kuchoka sasa ya magasin. De même que nous consacrons tout même la nourriture et tout la journée tout que tous nos biens soient consacrés à l'Éternel. Vile vile tuko nafanya shiku yetu tumsima tunatolea Bwana. Bintu byote byote tunapaswa kufanya maisha yetu yote kwa Bwana. Hallelujah. Amen. 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 Peu importe combien c'est modeste le travail que tu fais. Combien c'est modeste. Aizuru ngapi kwa taya chini. C'est peu importe combien cela est modeste, vous devez le faire de la meilleure façon. Aizuru ngapi ile kazi uko nafanya hata iko ya chini unapaswa kuifanya mnamo na tu ya sawa. Nous t'avons engagé pour peut-être prendre soin des toilettes. Sa zingine tulikupa kukaja sema wewe uzongalia paka macho. C'est un travail. Chini kazi una nous te payons. Tu na kulipia hayo. Avec l'argent que les enfants de Dieu donnent. Na makuti na watoto wa Mungu bado natoa. Le salaire. Mushahara. Le salaire qu'on te donne là. Mushahara lebe nakupatia. C'est pour le travail. Ni njua ile kazi kunafanya. Et tu ne le fais pas. Na kama uifanye mzuri. Nous pouvons te payer, te donner quelque chose. Tu n'es que les musiciens. On vous donne l'argent de transport. Transport. On vous donne, on vous encourage. Pour être à temps. Et tu viens en retard. Vous aurez à répondre. Nous dépensons. C'est pourquoi je vous dis, il faut donner, quand vous donnez les offrandes, les dîmes, tout ça, ça sert dans la maison de Dieu. Ça a beaucoup de travaux. Il n'a pas cherché à toi, Kanisa, ni Munyumba ya Mungu. Leta comme Dieu, il est qu'on a fait cage, Munyumba ya Mungu, de sa idée ça. Tu vois, eh, les toilettes sont propres. On a regardé, c'est ma chou, yo, tu es quoi encore, ma papier, je n'ai quoi encore. Mais on paye avec quoi. Ça, c'est de l'hypothèse, Dieu. C'est de l'hypothèse. Alors, tu es là. Ça, c'est occupé. Fais ton travail correctement. Fais ta case, il y a comme Zuri, Kabisa. Fais ce qu'on t'a demandé de faire. Tu es garde. Tu es payé pour ça. Fais cela correctement. Tu es pasteur. Paie les troupeaux de l'Éternel correctement. C'est ce que j'ai fait. C'est le souci de transmettre. Vous pensez que je ne me fatigue pas? Je me fatigue. Mais les zèles pour la maison de Dieu. Lakini inabidi tu anyumba ya Bwana. Mais d'effort. Iko nani parce que je sais que j'aurai à répondre. Kwa sababu najua sema nitajibia kwa hiyo mambo. Je ne vais pas
être coupable de la négligence. Mishipende ni kwe mwene kuhukumiwa juu ya kusula. C'est le souci. Hii ni shuruli. De vous présenter les conseils de Dieu. Ya kumionyesha mashauri ya Mungu. Amen, amen, amen. Amen. Que chacun fasse son travail. Kila mmoja afanye kazi yake. Même si c'est un petit travail. Hata kama ni kakaji kaloko. Pour Dieu. Juu ya Mungu yeye. Il n'y a pas de petit travail. Akikalaya kakaji kaloko. Même si c'est petit. Je vous ai donné l'exemple du corps. Même l'orteil a son rôle. Si ça ne fonctionne pas bien, tu es malade. Amen. Amen. Si vous me comprenez, dites grandement amen. Permettez-moi de terminer cette lecture. Je n'ai plus fait 45 minutes, maintenant nous sommes déjà à 1 heure. Il est matin qu'il m'aime bien, il est 45 minutes. Il s'occupe de ça. C'est le zèle. Nikosema ni bidii. Pour la maison de Dieu. Juu ya nyumba ya Baba. Laissez-moi faire mon travail. Munyache nifanye kazi yangu. Amen. Amen. Que je termine cette déclaration. Nimalize tu ino. Pour que je dise que les gens comprennent. Juu ya niseme na batu baelewe. Si on venait seulement pour prêcher, je peux venir là, je vais. Une heure, mécaniquement, bam! Quand même, il y a quoi, c'est un Dieu à couvrir et tout. Ni qu'on fait qu'à toi, pas d'acquis comme ça, moi, tu as tout, bam! Bam! Je ne fais pas ça. Tout n'est pas, tu es en ville. J'aurai à répondre. Ntadjibia. C'est devant Dieu. Nimbele à Mongo. Amen. Amen. Alors, suivez. Cyclisez. Vous direz bien. Otase, mamouzou. La nuit, c'est que chacun de nous veut faire le travail de l'autre. Ni kusema misharaba kenye kuwako wala matatizo mtu anapenda kufanya kazi ya mtu mwingine. C'est ça le problème. Ile ndio misharaba. Alors il donne l'exemple d'une montre. Aleta mfano ya saa. Qui a une montre? Regardez un peu. Nani yuko na ina saa hapa? Regardez la montre. Shangalie mbele kwa saa. N'avez pas de montre là? Ah mbona na masaa? Montrez un peu ce qui est le montre. Bali na masaa baki mkono yule. Ah, vous avez des montres? Voyez, il y en a qui ont des aiguilles. Non na kuko bali beko na ma mikuki. D'autres c'est électronique, d'autres il y a les aiguilles. Comme là-bas, si vous n'avez pas de montre, vous pouvez regarder même. Comment on regarde dans ça? Ça y est, moi je regarde quoi il est coupé. Il y a les aiguilles. Moko mikuki comme les dents. Mais comment est-ce que ces aiguilles c'était? Ça ni namu nakadi mikuki na tembeyaka. Là dedans, moulendan. Il y a des ressorts. Moko tu m'as ressort. Des petits ressorts. Moko tu m'as ressort dans ton loco. Quand vous ouvrez, comme on a fongul, vous allez voir l'autre fait ça. Ou toi, tu viens tout le temps. Tiens, 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 tiens. Qui est le fongul? Ce qu'il fait là. Qui est la femme de il joue son rôle. Où est la femme vient de faire pas caca jiak. C'est seulement ça. Pas qu'il y a une femme qui vient. L'autre. Mouille dans elle. C'est ce qui permet. Joy est en Russie. Alors de là de bouger. Joy est beaucoup qui le font. Bang, 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 bang. Là ça fait le tour. Comment il est dans la combat. L'autre qui indique les minutes. Mouille est en train de faire ça. Mouille est en train de faire ça. C'est l'exemple que frère Banam. Il m'a fait le tour de la semaine. Il m'a fait le tour. Je vais lire maintenant. Il m'a fait le tour. Suivez ce frère Banam. Il m'a fait le tour de la. Il dit par exemple, cette montre. Quand m'a fait le tour de la semaine. Cette montre si est bien. Ça y est. Chaque petit mouvement là à l'intérieur. Qui l'a tout qu'à tendre Fulani. Qui n'a pas de l'endani. Joue un rôle. Qui qu'on attend à côté de moi. Chaque petit mouvement joue un rôle. Kila tu kutikisika kwote kuna tendeka mule ndani. Kuko unafanya kwa kazi fulani. Amen. Amen. Chaque petit mouvement là à l'intérieur a sa place. Kila matikisiko yote kutendeka mule ndani kuna fashi yayo. Eh bien, chaque pièce ne peut pas être l'aiguille. Njo vile kila chombo yote hezi kuya mukuki. Eh bien, je regarde seulement les guides pour voir l'heure qu'il est. Dieu a connaissé ton quoi ça quand. Mais si l'une de ces petits engrenages est à la dedans. Comme tout le tout engrenage de quoi mulendani kamoya kama. S'il va de travers. Comme tout quoi kanza kwenda muinga mboya huko. Cela ne va plus donner l'heure correcte. Pale uyo asema saa itatoka ya sawa. Amen. Amen. Chacun a son rôle. Kila moja eko na tendo yake. Il en est ainsi avec les gens. Joy vivi côté nanabantu. Nous tous. Chibote. Le corps de Christ. Mwili wa Kristo. Nous devons être en harmonie. Tunapasha kwa mukupatana. Chacun à sa place. Kila muntu pafashi yake. Vous voyez. Et alors nous pouvons regarder. Pale tunaweza kuangalia. Et voir quelle heure du jour il est. Na kuona sema tunakuwa saa kania hii siku.
Alors le monde regarde pour voir quelle heure il est. Parlez ça dunia iko naangalia jua kwenye sasa kwa saka. Mais c'est à vous. Mnaona ndi kwenu. Qu'on regarde. Beko na miangalia ni mweye. Que vous soyez juste un petit ressort. Unaweza kuwa taka ressort kaloko. Ou le ressort principal. Unaweza kuwa taka ressort ile ya munene. Quoi que vous soyez. Hata uwe kitu kiana munaka. Faites votre travail. Lakini wewe fanya kazi yako. Le mieux possible. Uifanye munamu na ya sawa ile wewe unayua. Maintenant. Sas. En effet. Kwa hivi. Nous avons une responsabilité. Tuko na mzigo. Pour laquelle nous aurons à répondre devant Dieu un jour. Chaque homme qui vient sur la surface de la terre doit répondre devant Dieu pour une responsabilité. Il a dit chaque homme. Qui est dans chaque homme? Vous aurez à répondre. Dieu t'a donné l'argent. Comment tu as utilisé ça? Tu l'as aussi utilisé pour son royaume. Dieu te demandera des comptes. Amen. 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 Chacun de qu'il a mangé. Il dit. Ah, c'est mal. Et pour beaucoup d'entre nous, nous devons répondre de notre administration. Je répondrai aussi de l'administration de l'IS. Il y a des enfants de Dieu qui payent leur dîme pour que je puisse vivre. Il y a des enfants de Dieu qui donnent leurs offrandes pour faire fonctionner l'église. Amen. 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 Mais j'aurai à répondre. Les enfants de Dieu donnent leur argent. Nous leur avons présenté le programme. Pour nous construire. Nous aurons à répondre. C'est pourquoi nous devons le faire de la meilleure façon. Même si vous êtes dans la juridiction. On donne l'argent. Pour le je mange. On a cotisé. Vous aurez à répondre. C'est la manière dont vous gérez ça. Amen. 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 On a acheté les choses. Vous êtes une sœur volontaire. Vous venez préparer pour les saints. Si tu fais ce travail de la bonne manière, Dieu te bénira pour ça. Si tu le fais mal, les enfants de Dieu mangent. Ils ont la diarrhée. Parce que toi, tu as mal préparé. Tu auras réponse. Quelqu'un peut même mourir à cause de ça. Tout ce que nous faisons, faisons-le correct. Vous êtes en train de placer les portes comme vous allez commencer à le faire. Vous allez commencer à le faire. Les travaux recommencent demain. Vous travaillez. C'est un chantier, c'est une église. Vous laissez un clou. Quelqu'un vient vous aurez à répondre. Vous balayez. Faites-le de la meilleure. Alléluia. Amen. C'est une administration. Peu importe ce que c'est. Il dit, comme je l'ai dit il y a quelques instants, si vous êtes une ménagère, comme je l'ai dit il y a quelques instants, si vous êtes une ménagère, soyez alors une véritable ménagère. C'est juste. Même quand vous préparez mes soeurs, même quand tu prépares, non seulement pour les visiteurs, même pour tes enfants, pour ton mari, prépare correctement. Ou que tu as un téléphone. On est télévision, on est téléphone. On est bilongouche. On commence à manger des choses. Ça, ça, brûlées. Ça va affecter leur santé. Pas les ça. Cette habitude, tu n'es pas capable de la quitter. Tu n'as pas tiré mal au gant, joie. Joue bien, joue. On a son bouli, on ne peut pas mal enchouf. Par quoi qu'il en soit, on est capable de faire le mouchim. Bande pas malaria. À cause de toi. C'est une joie quoi. Croyez-vous que c'est la parole? Mon ami, c'est ma nina, non? Même si vous êtes une ménagère. Ataka mon maman wa nyumba. Même une ménagère. Ata maman wa kunyumba wa bukwevi. Nkopo ko napatia muntu nkopo. Si unafaa kuyangalia. Ton mari veut manu na. Ile la milomo ile muntu alibamba na supu iko kule. Tu viens servir quelqu'un qui demande. Pake le nkopo bari kunia na mafuta ile. Mugenda na kuya na mwekea tena maji na mkaburi.
Je donne des exemples pour que les gens comprennent. C'est mon devoir en tant que berger. Je fais mon travail. Peut-être quelqu'un ne comprendra pas bien. Amen. Amen. Si vous êtes une ménagère, soyez alors une véritable ménagère. Ton mari, comme il est sorti, coup de chapeau à l'épouse de notre frère Books. Bouquin, c'est propre. Dio ni safi. Une ménagère, tu dois veiller. Maman wa nyumba na pêche. Il ne faut pas qu'il y ait une tâche. Allez, c'est mania mon pêche, kushuke katoba. Quand ton mari, qui ont un peu arrangé leur mari avant qu'ils soient. Mais banani leo, batengeza kwa bwana hapo kabla boku toka kwa mkanisa. Munyoleshe mikono yulu, yulu, yulu. C'est que Mimi nenda. Unachelewa. Bwana anabakia tu yeye mwenyewe. Bwana anabakia yeye mwenyewe. Anatoka kule yeye shima mevu. Kule yeye kulabuka. Uwe la ménager. Sasa mama hapo yuko wapi? La femme de ménage. Mama hapo wa nyumba. Un frère m'avait demandé de visiter la chambre de son enfant. Donc moja anyambia sasa nikaangalie kwa chumba ya kulalia mtoto yake. Il avait conseillé son enfant mais l'enfant est négligent. Il a voulu que je puisse visiter. J'ai surpris l'enfant. Je reviens après une semaine. Tu as même honte d'envoyer l'enfant aller prendre quelque chose. C'est un débandage. C'est l'exemple de la mère. Je parle pour que les mamans comprennent. Vous êtes un jeune garçon. Hein, Alex, tu es très propre. Je ne sais pas quoi, Mzuri. Tu es bien comme hey, hein? On te voit là, même dans ta chambre, que tout soit en ordre. Beaucoup ils sont seulement quand tu les vois là bien. Ben Guinebo, on a bon, on a pas qu'à la cravate mesure. Ça, ça, il y a une chambre où la la kiana, où la chao en balaka, où t'as coupé pantalon, coucoule, qui l'a tout qui coupe à kitanda. Il dit non, mais quand je vais me marier, ma femme va commencer à mettre l'ordre. Ah, c'est pas les mêmes taos, tu m'as tâté, bibiot, tu m'as tâté. C'est juste. Si vous devez être un fermier, soyez un véritable fermier. Quoi que ce soit que Dieu vous ait donné de faire, vous devez en assurer l'administration. Vous devez répondre devant Dieu. Pour cela, il faut toutes ces choses pour y arriver. Quoi ça va, n'a pas que Dieu vous bénisse les fonds. Mungu amebariki mwamke. Alléluia. Sacrifice, oh, okay.
La parole a été prêchée. Nous avons répété ce que disent les bandes. Seigneur, ta parole est une semence. Elle vient d'être sémée dans les cœurs de tes enfants. Puisses-tu l'arroser, Seigneur, par l'eau de l'Esprit, pour que cette parole puisse créer en chacun de nous la soif de Dieu, la soif du Dieu vivant. Seigneur, révèle à chacun de nous sa place et sa position dans le corps de Christ. Seigneur, tu nous as révélé que notre place, notre position a été prédestinée par toi et que personne ne prendra notre place. Seigneur, laisse-nous alors, oh Dieu, accomplir le but de Dieu dans notre vie. Laisse à chacun de nous, Seigneur, à jouer son rôle dans le corps de Christ. Laisse à chacun de nous, Seigneur, à assumer sa responsabilité. Tu as fait des saints, les apôtres, les autres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les pasteurs. Tu as fait des autres, les pères des familles, les ménagères, des grands responsables des sociétés, des commerçants. Seigneur Jésus, tu as fait des uns pour des grandes responsabilités, d'autres pour des petites. Quelle que soit la responsabilité que tu as donnée à chacun de nous, nous aurons à en répondre un jour. C'est cela que j'ai voulu, oh Dieu, souligner pour que chacun puisse s'en imprégner. Seigneur Jésus, nous dédions ces réunions spéciales. Donne à chacun de nous d'entrer dans l'esprit de la chose. Quel que soit le lieu où nous serons, à partir de mercredi, que nous puissions prendre la chose au sérieux. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois que nous n'avons pas été à la hauteur de la responsabilité que tu nous as confiée. Nous sommes des humains, nous faillissons de plusieurs manières. C'est pourquoi, Seigneur, nous te prions de révéler la chose à chacun, Père. Avec cette connaissance, laisse-nous, Dieu Tout-Puissant, assumer correctement nos responsabilités avec son soutien, avec ton assistance. Nous comptons sur toi, Seigneur, car tu avais dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais avec toi, nous avons l'assurance que nous vaincrons, nous y arriverons, nous assumerons correctement la responsabilité que tu as donnée à chacun de nous. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis cette parole dans nos âmes. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, amen. Amen. Que tu puisses accorder à cette église, oh Dieu, des bénédictions multiformes. Et les bénédictions multidimensionnelles, Père. Que ta paix qui surpasse toutes choses reste avec ce peuple, Père. Que tu puisses les garder toujours dans l'unité, Seigneur. Derrière le berger et autour du berger, Père. Qu'ils puissent les soutenir. Oui, Seigneur, comme Aaron et Hur avaient soutenu les bras de Moïse. Qu'il en soit ainsi pour cette église, Seigneur. Que celui qui est faible devienne fort. Que celui qui croit être debout, qu'il prenne garde de tomber. Que celui, Seigneur, qui est tombé, soit relevé. Une fois de plus, bénis cette église.
Bénis son pasteur. Bénis les officiers. Et que la gloire te revienne à tout cela. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.